Président Michel Martelly, qui te gen bon côté le Premier ministre Evans Paul, plusieurs membres gouvernement et plusieurs artistes inauguré vendredi soir nouveau complexe culturel Triomphe, une institution qui relouvre Port-Li 28 ans après si n'était à Triomphe t'est obligé camper sous activité. Complexe culturel là qui s'est résultat plusieurs années travail, gagné deux salles, une 454 places pour différents qualités spectacle, l'autre là 316 places pour cinéma, plus un centre convention qui capable kembe 600 moun. Robert Denis, qui te prend la parole dans la cérémonie comme président Conseil des arts de la scène, te mette accent sur détermination chef l'État dans l'aboutissement projet A. Li rappelé tout, Triomphe, c'est une scène historique dans Port-au-Prince qui te accueilli gros artistes haïtiens ou étrangers, tant qu'ou Ancy des Roses, Guy Durosier ou Lio Ecclesias, Charles Aznavour ou bien Nelson Ned. Suivent intervention Robert Denis dans micro Maud Petiot, Junior Saint-Germain et Vilma Bruni. Le fameux Triomphe. Comme a dit Joe tout à l'heure, 28 ans de silence, 28 ans d'obscurité. Le Triomphe fit partie, jadis, de l'itinéraire des grands artistes tels Ancy des Roses, Guy Durosier, sans oublier les artistes qui venaient de l'étranger, comme Charles Aznavour et Julio Iglesias. Après 28 ans d'abandon total, il a fallu la vision, la détermination et la volonté et la sensibilité aussi de notre président artiste, Michel-Joseph Martelly, pour qu'Haïti puisse se doter enfin d'un complexe culturel vraiment digne de ce nom. En ma qualité de coordonnateur du Conseil des arts de la scène, et au nom des autres membres de ce conseil, qui a été créé il y a deux ans par le président de la République, M. Joseph Michel Martelly, je vous souhaite la bienvenue au Ciné-Théâtre Triomphe.